l'idée de l'exposition est venue il y a assez longtemps, il y a 3-4 ans, avec la création d'un laboratoire de recherche sur la question de la traduction, c'est-à-dire de l'interprétation, comment un visiteur, comment un observateur d'une œuvre d'art peut la traduire pour lui-même, peut l'interpréter et peut s'impliquer en fait dans cette œuvre. À partir de là, en fait, nous avons travaillé sur une œuvre qui a été créée en 1967 par Alison Knowles. Ces 87 000 quatrains ont donné lieu à des projets de construction de maisons. L'idée d'Alison était venue à un moment où, aux États-Unis, la norme architecturale devenait de plus en plus forte. Et on commençait à avoir tous les programmes d'urbanisme très très normalisés, très standardisés. Donc c'est un peu pour contester et pour parodier et pour rejouer, en tout cas pour ouvrir complètement un espace de liberté et d'émancipation quant au fait de construire sa propre maison, penser sa propre maison et être conscient de la manière dont on habite aujourd'hui, qu'elle a créé ce programme. Donc à partir du moment où on a étudié ce projet, bien sûr pour lui donner une suite, un futur et pour le rendre vivant, nous avons invité une vingtaine d'artistes à interpréter ces quatrains et à réaliser aujourd'hui au Magasin Généraux, au CNAI, donc dans l'exposition, un projet de maison, plus ou moins abstrait et parfois très concret, chacun dans l'exposition. Un certain nombre, pour ne pas dire la plupart en fait, des œuvres des artistes sont, on va dire, activables par le public ou par des invités.